Bonjour. La journée est bien entamée, il est 16h. Je faisais ma pause, infusion. J'ai pris Peps, c'est pas du luxe. Romarin, gingembre, citron. Ce midi, on s'est dit avec Eric, parce que là, il devrait pas tarder, que peut-être on irait en fonction du temps, même si on s'en fout un peu du temps, puisque c'est en intérieur. Vous savez, dans la boutique qui m'a contacté pour que j'aille voir où il y a un petit peu de tout, déco, tout ça, tout ça. C'est... Vous avez pas vu, quart d'heure de folie. Quand il est comme ça, il monte à l'étage, il fait des dérapages tout le long, il redescend comme ça et puis il remonte, j'adore. Ça y est, j'ai perdu le fil. Je vous ai vraiment pas repris ce matin. Hein. Aucun intérêt. J'ai fait que bosser sur l'ordi, des appels. Par contre, j'ai fait des trucs qui sont plutôt cool. Donc j'ai commandé mon papier de soie ça pour Noël, ça c'est bon. J'ai fait tout le descriptif du flyer de la box de novembre. J'ai reçu déjà une première commande des articles de la box, donc il a fallu que je check. Quand tu reçois ça, tu check, tu regardes si c'est pas abîmé, si le nombre est bien là, si ça correspond. Et tout ça, mine de rien, ça prend pas mal de temps parce que dans mon activité, en fait, tu fais tout, tout, tout. De la comptabilité, de la communication, de la création, du traitement de texte, de la manutention, tout. Je suis la seule à qui ça fait ça, mais moi, l'été, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à l'automne, les jours qui raccourcissent, le côté chaleureux, t'es chez toi. Et là, maintenant que j'y suis, j'avoue que par moments, c'est compliqué. Certaines personnes me diraient, parce qu'on me l'a déjà dit, que vu que je travaille à la maison et que je vois personne, c'est peut-être ça aussi qui fait. Forcément, quand t'es dans une structure avec des collègues, des machins, ça joue peut-être aussi. On est d'accord. Ça y est, t'es revenu. Les revenus. Oh, les tristes. Comment sa tête. Il voulait continuer à faire des dérapages là-haut. Mais tu peux, ma doudouille. Hein. Oh, mais mon garçon. Comment? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Fais la tête. N'empêche, je veux pas trop m'avancer, mais son petit traitement sur 5 jours à la cortisone, ça semble fonctionner. Il y a plus de grattage ici. Il commençait un petit peu à s'abîmer l'oreille en plus. C'est pour ça que j'ai voulu insister. Tu as commandé tes cadeaux pour Noël? Du surimi? Et puis quoi d'autre? Je suis un peu deg parce que là, de toute façon c'est trop tard parce que là il va pas tarder. J'avais prévu, j'avais tout acheté pour faire, si vous avez vu, une pâte à crêpes, sauf le sucre. Je me vois pas faire une pâte à crêpes sans sucre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter du sucre. Et ouais, et pareil, je veux pas faire la pâte. Et, je pense qu'on peut le faire, mais c'est quand même meilleur. J'ai toujours entendu que la pâte à crêpes, il faut qu'elle repose pour qu'elle soit meilleure. Ah! Bon, on va s'enlever ça, hein. On va pas aller avec le gilet pilou-pilou. Et je fais aucun effort vestimentaire. C'est vraiment un truc qui me passe. Il faudrait que je fasse un effort un petit peu plus. Je suis pas très stylée comme Nana. Voilà, je vais mettre le manteau. Je sens que c'est imminent l'arrivée d'Eric. Ah bah, il est là. Allez, j'arrive. Oui, bah vas-y, c'est bon. Bisous. Me voilà arrivée à la boutique. Déjà le lieu est très beau, je vous montre. Et c'est marrant parce qu'en vidéo ça paraît plus petit. Elle a déjà cette petite cape, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est plein d'autres. Elles sont toutes évolutives, soit au col ici, ouais. Et également au niveau des poignets, enfin des poignets des bras. J'ai quand même oublié de dire l'essentiel, donc comme je disais c'est du local, c'est à Cloix sur le Loir, donc à 15 km de Châteaudun, donc en Eure-et-Loir. S'il y a des personnes dans le coin, franchement ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est des belles idées aussi, forcément cadeaux, jusqu'au 30 décembre. On continue la petite visite, donc là on a, en fait il y a différents... Il y a un petit peu de tout sur la oui. Table principale, pour, oui. Des petites idées cadeaux, des compositions. Je vois les petits savons solides. Ouais, rose poudré. Oui. Donc là, on a des petits rubans. Porte-clés. Ah, je vous ai dit, il y a vraiment de... C'est... Ouais, c'est moi. qui les réalise. Cette partie-là, couture, c'est moi. C'est du boulot, hein. C'est super mignon, ça, les petits pochons comme ça. Ça, c'est le genre de choses que je... Oh là. Donc là, on a la partie papeterie. C'est magnifique. Je connais, j'avais étudié le pointillisme, c'est super beau. Elle fait des cartes et du coup des. Vous vous rendez compte, ça, c'est tout est fait au point, quoi, en fait, et à la fin, c'est le rendu. J'imagine que c'est
elle. Ah, les cartes, elles sont mignonnes, hein, les petites cartes de visite. Espace-temps. Il y a deux livres, il y a des mots-clés. Ce sont que des livres de seconde main. Donc toute la box, c'est, ce sont des objets du coup recyclés pour éviter le déchet. Donc il y a une tasse dans celle-ci, deux sachets de thé qui sont en lien avec la thématique espace-temps. C'est la concurrence, quoi, avec la box. Ah oui, ouais, c'est différent. Non, bah oui, non, mais c'est pas pareil. Oui, oui. Mais ouais, non, c'est très très varié en fait dans cette. Oh, les ouais. petites cartes. Ouais, c'est pour les cadeaux de Noël. J'ai pas d'enfant de cet âge. Mais il y a pas du tout. Elle fait S et M. C'est trop beau. Bon, il a pas encore. Ah, je craque littéralement là. Mais c'est pas possible ça. Regardez la beauté. C'est tout mignon. Après, combien elle y vend? La petite, dis-moi, elle a 63. Ouais, mais c'est normal là, c'est du. 8-10 ans, 75. Ouais, mais normal hein. 8-10 ans, c'est assez. Qu'est-ce que c'est beau? Tous les 3-4 mois, par exemple, on renouvellera entièrement la boutique avec de nouveaux créateurs. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est qui décide si vous restez ou pas? Ben, moi, je suis présidente de l'association. Ah bah, donc c'est moi qui vous ai contacté. Donc moi, je sais que je reste. C'est moi qui gère le projet d'accord. avec Agnès, du coup, qui fait les fleurs de l'autre côté. Mmh. Et après, bon, on fait des appels à candidature. Oui, oui, oui. C'est une céramiste illustratrice. C'est sur derrière le pont. Des assiettes récupérées, cassées, et donnent une seconde vie en les mettant en valeur sur des supports tels que des oreilles, bagues, bijoux, colliers. Du boulot. Ça plaît beaucoup. Ouais, ouais, j'imagine. Après, tu nous as fait notre meuble. Ah, ouais. Et les deux étagères, l'étagère murale et l'étagère en vitrine également. Ça, c'est vraiment. Oui, bah, ça se voit, effectivement. De l'aventure. Hein. Ok. Donc, il se pourrait que j'ai acheté quelque chose. On partait. Eric m'a dit je t'ai acheté un petit goûter pendant que j'étais au début dans la boutique. Et il l'a mis dans le coffre. Ah, j'ai oublié de lui dire prendre du sucre. Le fil Nutella. Regardez la vue. C'est sympa, hein. Il est 7h. On vient de rentrer parce qu'on a fait un petit détour pour aller voir. Non ? Bah non. Ou alors, il y en a une quand on est parti. On est passé par ma maman. Je vous montre ce que j'ai pris. Un mug. J'ai vraiment eu un coup de cœur, le mug, les petites capes, mais c'est pour enfants, mais c'est trop, trop belle. Ouais, c'est bizarre que ça ait sauté. Parce que si ça avait sauté, là, le micro-ondes aussi, il aurait, tu vois. Ouais, donc, mais bon. Non. Ouais, ça m'inquiète. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'ordinateur, il y aurait des listes de photos. Oh. Ok, putain. Donc, le mug. Je crois que l'hiver est temps pour moi. Ouais, attends. Soyez, donc, seriez la meilleure version de, et c'est soyez vous-même. Et la petite cuillère comme ça. Je crois que c'était ouais, 35 euros, 25 euros le mug et 10 euros la cuillère. Je pense pas l'utiliser. Je crois que ça va être plutôt de la déco parce que je pense pas que ça passe au micro-ondes et je veux pas l'abîmer. Mais c'est beau, hein, en céramique. Non, Jack. Alors toi, tu vas pas me faire tomber. Donc là, on va, je vais faire à manger. Les pâtes, je vais tester celle-ci. Donc c'est au maïs, sans gluten. Ouais, c'est un maïs et riz. Voir si c'est plus digeste. Voilà. Et avec, je vais faire cette petite sauce basilic tomate. J'aurais bien mis un peu de steak haché. Je suis pas certaine d'en avoir. Je vais regarder au congé si j'ai ça. Mais ça va être le menu et le programme de ce soir. J'en ai marre, je suis fatiguée, crevée. J'ai rajouté un peu de chavot. Puis on va voir. Je vais me regarder la saison 3 du tailleur. Ça va être pas mal. C'est vraiment très très bon. Je les ai à peine cuits. Enfin, moi j'aime bien quand c'est al dente, c'est à limite ferme. Peut-être qu'il aurait fallu, enfin, en tout cas pour Eric, moi ça me va, mais peut-être une minute de plus. Mais franchement, et puis la sauce, je me régale. Il est midi moins 20 et je suis plutôt contente là parce que je me suis réveillée sans maux de tête. Oui, parce qu'hier, je ne vous l'ai pas dit, j'avais mal à la tête, des céphalées. Toute la journée, la barre comme ça, mais je me suis dit, vas-y, ça, arrête de les saouler avec ça, tu prends sur toi, tu ne dis pas, mais comme ce matin, je me réveille, je suis bien, pour le coup, je vous le dis. Et il y a un autre truc qui est plutôt bien, c'est que je m'aperçois que c'est plutôt pas mal de bosser avec certains, enfin, il n'y a que lui, un prestataire local, notamment pour le flyer, parce que j'ai changé, en fait, je vous ai dit hier, j'ai choisi le flyer, j'ai fait le descriptif, et ce matin, j'ai changé d'avis sur le visuel. Je viens de lui envoyer la commande ce matin, et je vais la chercher dans la journée. Là, au moins, c'est cool. Nous sommes le 10 novembre, ce qui veut dire que si vous regardez ce vlog au moment où ça sort, donc nous sommes toujours le 10, vous pouvez toujours la commander. La box de novembre jusqu'à 23h59 ce soir. Après, ça passe à quoi? La box de Noël. Oui, on y est déjà. La box de Noël. Donc, dans tous les cas, si vous commandez juste après le 10, vous aurez...
Voilà, il me semble qu'Eric a fini là. Il est en week-end. C'est cool. Ce week-end, on a pas mal de choses de prévues, notamment ma famille qui est revenue de Bali pour voir ma sœur. Donc on va se voir ce week-end. Samedi, j'ai un petit reportage à tourner. Et non, c'est cool. Lundi aussi, j'ai un truc de prévu. Alors que je m'organise de fou, parce que j'ai aussi des réceptions. Mais c'est surtout faire le montage. S'il y a un décalage à un moment donné dans les vidéos, si ça décale d'une journée, c'est pas grave non plus. J'ai dit que j'arrêtais, donc j'arrêtais de me mettre cette pression franchement inutile. C'est complètement inutile, mon Jackie, on est d'accord. Ça, c'est dit, Jackie. Ah voilà, t'es un petit peu en décalage, mais c'est bien. Il est 4h moins le quart. J'ai quasiment terminé là, le montage du vlog, j'attends le go de l'imprimeur pour me dire que la commande est prête, parce qu'il me semble qu'il finit à 17h, donc je ne voudrais pas passer à côté, d'autant plus que demain bah, c'est férié et c'est samedi. Lundi ça va être chaud pour la récupérer, je voudrais commencer la prod lundi ou mardi. Sinon, très bonne nouvelle, Val, j'ai un transporteur qui est passé pour mon traitement, le fer. J'ai déjà pris un comprimé, je vais vous montrer parce que je sais que certains d'entre vous m'ont dit que ça les intéressait, vu que c'est un fer qui apparemment est ultra bien toléré, il n'y a pas de contraction, pas d'effet secondaire, pas de douleur au ventre, pas de tout ça. Donc forcément, ça vend du rêve et il semblerait qu'il y ait des résultats probants au bout d'un mois ou deux. Donc on va suivre ça. Par contre, Eric s'est mis en mode week-end, ça y est, il est 4h. Ça y est, il s'est allongé, il a tout fermé. Écoute, on ne voit plus rien dans cette maison. Il est là. C'est le fer bisglycinate, normalement c'était en 40, donc j'ai rappelé le médecin quand même, je lui ai dit c'est pas gênant si je prends soin de 14 mg au lieu de 40, on fait non, c'est bon. Ok, bon, vous savez quoi, je crois que je vais y aller, ça se trouve, parce que je crois que je lui ai dit à l'imprimeur, envoyez-moi comme il fait un petit message pour me dire quand c'est prêt, mais ça se trouve il a oublié, et ça se trouve ça attend sur le comptoir, je vais y aller, tant pis. C'est bon, je pense que c'était même bon depuis un moment, c'était sur la petite étagère, c'est trop beau. Regardez, c'est magnifique, hein. Ouais, j'avoue, ça se fait pas. Bon, allez. Le boudoir, new de chic. Je file à la supérette chercher du sucre pour faire les crêpes de tout à l'heure. Je pense qu'il y en a un qui va être content. Et je finis le montage de ce vlog. Comme ça sera bon. Et on se retrouve, alors, soit lundi, ce qui est normal, soit peut-être mardi, vu que je vous ai dit que je suis pas mal prise ce week-end, je vais faire de mon mieux, de toute façon je vous préviens, retrouvez-moi sur Insta, moi je vous dirai tout, je vous tiens au courant sur mon Insta. Bisous.